Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Son but est de savoir pourquoi on lit quel paracha et quel haftara chaque Shabbat. Pourquoi on lit un certain passage du Pentateuque et pas un autre, et un certain passage des prophètes et pas un autre chaque Shabbat. Je vous préviens directement, c'est une vidéo un peu technique, donc n'hésitez pas à faire en même temps que moi pour vous habituer et vous approprier vraiment tous ces gestes, ou sinon à regarder des vidéos un petit peu plus poétiques ou plus de pensées ou de toutes sortes que vous pouvez trouver sur ma chaîne, car là, je vous préviens, ça va être plutôt technique. Donc, nous sommes dans votre meilleur moteur de recherche et comme j'ai tout préparé pour vous, je vous invite à aller sur mon site rabbinchinski.fr. Donc, voilà comment on y va. Vous êtes en train de pouvoir le suivre directement avec moi sur l'écran. Moi, la meilleure façon souvent pour moi de trouver des choses que je cherche sur mon site, c'est d'aller ici, comme vous pouvez le voir, dans le moteur de recherche. Donc, je mets Aftara et je laisse le moteur de recherche chercher dans mon site les articles correspondant à la Aftara, au passage des prophètes qu'on lit. Donc, on va voir ce qu'on lit dans la Torah, bien sûr, ici, mais c'est surtout sur la Haftarah qu'on se concentre parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, vous voyez ici, pour la lecture de la Torah, il y a plein, plein, plein de ressources que vous pouvez aller consulter et utiliser. Et pour la Haftarah, vous voyez ici que je vous ai mis un petit paragraphe particulier, comment trouver la Haftarah en lecture triennale. Vidéo YouTube ici, ce sera cette vidéo, donc je n'ai pas pu la mettre. Elle y sera dès que j'aurai posté cette vidéo. Et puis tableau des Haftarot, Haftarah triennale. Je fais clic droit, ouvrir. Vous voyez, ça s'affiche tout en haut. Site Hepcal ici, je fais clic droit, ouvrir. Et Sepharia, clic droit, ouvrir. Et donc à travers mon site, il y a tout ce dont vous avez besoin pour trouver la Haftarah triennale. Donc, ici, il y a un PDF en hébreu, on ne va pas commencer avec ça. Ici, il y a Hepcal et ça va être notre premier passage. Et ici, il y a page non trouvée. Donc, je vais vous le remettre. Comme ça, vous pourrez y accéder aussi directement. Donc, ce que je vous ai mis ou que je vous remettrai comme lien, ce sera ce lien-là. Vous tomberez directement sur cette page où il y a la Torah et les prophètes. Donc, l'extrait, la facilité de trouver un extrait de la paracha et de la haftara. Donc je suis ici et disons que je veux aller voir la paracha et la haftara de Béchalar. Alors vous voyez ici, il y a à gauche lecture intégrale pour les personnes qui pratiquent la lecture intégrale, typiquement les personnes plus orthodoxes ou certaines communautés m'assorties. Il y a les sept montées parce qu'il y a sept montées à chaque fois. Et puis il y a le maftir qui est une montée qui associe la lecture de la Torah à celle de la Haftarah. Et là, vous voyez, Haftarah pour les Ashkénazes ou Haftarah pour les Séfarades. Ça vous prouve, entre parenthèses, que c'est pas quelque chose de ultra canonisé depuis toujours. Il y a différentes coutumes et en fait, il y en a beaucoup plus que ces deux-là, mais il y a une tendance à l'uniformisation et à la perte de la diversité dans le judaïsme comme dans d'autres lieux. Et ensuite, donc, lecture entière, je vous la resignale ici. Attends, il ne veut pas. Donc, avec la lecture de la Torah et les deux possibilités concernant les Haftarot, qui reprend la tradition, l'ancienne tradition babylonienne. Mais la première tradition, c'était la tradition d'Eretz Israël, qui était de lire de façon triennale. Donc, de lire un petit bout. Chaque synagogue, à sa façon, s'arrêtait au moment opportun à ses yeux, et puis reprenait la fois suivante, etc. Donc, il y avait des découpages extrêmement variés. Et donc, la façon dont on procède aujourd'hui, c'est pas tout à fait cette façon-là de lire un petit bout et de reprendre la semaine suivante, mais c'est de se caler quand même sur la lecture intégrale pour que tout le monde lise quand même à peu près la même chose au même moment. Donc, vous voyez ici, en 2023, on lisait chapitre 13 de l'Exode, verset 17 ici, jusqu'à chapitre 15, verset 26. Et la Haftarah alternative était tirée des juges. D'accord? Donc à chaque fois, ce sont des liens, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc vous voyez ici, Ashkenaz et Farad, les deux, c'est les juges, c'est tiré des juges, pas tout à fait les mêmes versets. Parfois, c'est aussi pas tiré du même livre du tout. Ça pourrait être deux livres différents. Et puis,
pour la Haftara triennale, vous avez ici les juges, et encore ici les juges, et ici Josué. Donc, c'est quelque chose qui varie. Maintenant, ça, ce n'est pas ma façon de procéder. Je vais vous le montrer quand même. Donc, supposons qu'on prenne Béchalar, deuxième année. Ici, je fais clic droit et je vois le premier verset qu'on lit selon Hepcal pour la deuxième année. Donc, vous le voyez ici, c'est Exode 14-15. Vous le voyez là, on va le mettre en grand. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi donc est-ce que tu cries vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en route et qu'ils voyagent. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va lire dans la Torah. Ensuite, si on se fie à Hepcal, mais moi je vais vous montrer une autre méthode, vous pourriez faire un clic droit ici. Ça n'a pas marché mon clic droit, c'est allé en directement, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et donc, on lirait ce passage-là dans les juges. Juge 5.1, donc ce serait ici, Vatachar Dvora, et voici le chant de Déborah et de Barak. Voilà, donc c'est ce que vous auriez. Maintenant, moi, on va revenir au premier onglet, parce que moi, la façon de lire que j'aime, c'est celle qui est mise en place par le chercheur Yosef Ofer. Vous voyez ici, il a toute une introduction qui explique sa méthode. Je crois que je l'ai découvert sur le site de l'université hébraïque. Et donc voilà, donc lui, comment il fait? Il a compilé de très très nombreuses archives de toutes sortes, tirées du Midrash ou de Qumran ou de la Gnisa du Caire, par exemple. Et donc, à chaque fois, il y a à droite le verset de la Torah. À chaque fois, le premier mot du verset de la Torah, à chaque fois, le premier mot de la Haftara, et à chaque fois, la référence de la Haftara. D'accord? Donc, vous voyez bien ici, pour Bereshit, eh bien, le premier mot, c'est Bereshit, et puis le premier verset, c'est au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre, etc. Bereshit bara, donc c'est le mot bara qui fait le lien ici avec le mot boré, donc bara dans la paracha. Dans le Pentateuque, qui fait lien avec Boré dans les prophètes, qui hineni Boré, et voilà que je crée. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc comment allons-nous faire ici? Ben, on voit Exode 14-15, c'est ce qu'on va lire. Donc on va dans Haftarah Triennale. Bereshit, 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 c'est la Genèse, le livre de la Genèse, donc on continue. Et puis si on voit Shemot, 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 c'est le livre de l'Exode, nous on cherche le verset 14, le voici. Ici, je vais vous le souligner, en espérant qu'il veuille bien rester souligné. Et je vais vous. Ah, reste ici, je veux vous l'agrandir. Non, il ne veut pas. Si, il veut bien être à la fois souligné et agrandi pour que vous puissiez bien le voir. Donc, Exode, ici, Matitzhak. Est-ce bien le cas? Oui, vous voyez ici, Matitzhak. Pourquoi cries-tu? Voilà ici, Matitzak est là, et donc on est sur le bon début de Paracha, et donc on veut trouver le bon début de Haftara, Terem Ikraou, Isaïe, donc 65, 24. Donc je vais dans Sfaria, Isaïe, 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 65, 65. 24. Et donc, on a le début de la lecture. Veraya, Terem, Ikraou, Vaani, Ene. Et voilà, dès qu'ils m'appelleront, je répondrai. Odhem Medabrim, ils parleront encore. Vaani, Eshma. Ils sont encore en train de parler que moi, je serai déjà en train de répondre. Donc, ici, il y a une question de question, réponse, appel, aide. D'une façon très étroite dans ce livre, qui est lié ici, un petit peu à contrario d'ailleurs, c'est intéressant, avec le passage de la Torah qui est l'Éternel dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Parle plutôt aux enfants d'Israël. Donc, il y a des liens intéressants à faire. Et donc, voilà comment on trouve la lecture de la Haftara en passant par le petit document que je vous ai mis en ligne. Alors,
Vous voyez ici, j'y reviens. Il y a le verset du début, mais pas le verset de fin. Donc, comment faire? Eh bien, en Eretz Israël, la Haftara faisait entre 5 et 15 versets. Donc, on va prendre, par exemple, 5 versets. Et donc, là, il y a le verset. Alors, je trouve que ce n'est pas très bien en face dans Sépharia, mais donc, il y a le verset 25, plus 1, 2, 3, 4. Eh bien, ça nous fait 5 versets. Donc, théoriquement, on pourrait arrêter là. Et ce, d'autant plus que vous voyez ces petits signes ici qui disent Sagour. Ça signifie que ça marque une pause dans la suite du texte. Maintenant, en vrai, ce qu'il faut faire, c'est lire attentivement la paracha et ensuite ce texte-là et continuer un petit peu pour voir si ce n'est pas plus logique de poursuivre encore un tout petit peu. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a un autre Sagour. Donc, c'est au verset 9. Donc là, ça fait 10 versets. Ça reste encore quelque chose de raisonnable. Voilà. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo et surtout à faire tous ces actes en même temps que je les fais moi-même pour pouvoir vous y référer. J'avoue, c'est une vidéo un petit peu technique. Bravo de m'avoir suivi jusque-là. Je suis très, très heureuse qu'il y ait pas mal de personnes qui veuillent avoir un accès absolument direct aux sources et aux connaissances. Et donc, je suis ravie de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à aller voir des vidéos plus faciles également, si tel est votre désir. Voilà. Bonne étude et à bientôt.